Moi, salut les amis, c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi 28 février. Ensemble, nous allons poursuivre avec l'étude nous avons fait durant toute semaine. Rappelez semaine ça, étude lancée numéro 9. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quand à jeudi, nous allons considérer ensemble portion qui vient comme thème, roi éternel au pouvoir inégalé. Bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude jeudi. À nous prier. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Nous disons merci pour bonté et miséricorde au manifester envers nous. Merci pour l'autre possibilité qu'on a aujourd'hui pour nous continuer à augmenter la connaissance de la parole. Nous demandons au Père des cieux que va aider nous à comprendre et tirer profit de la parole. Fais grâce à l'écrit, nous sauver nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Zami, mon bon plaisir pour capable remercier, féliciter, encourager pour ensemble des efforts que vous pouvez consentir jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais pas oublier chaque fois fini étudier, moi toujours pour un plaisir encourager ou partager tout ça avec un tour un jour. Comme ça capable faciliter plus monde capable arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pas quoi abonner, n'a besoin profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et titre maintenant, nous connaissons déjà, c'est numéro 9, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et verset à mémoriser, psaume 118, verset 22 et 23, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Ce texte, pour nous qui bien en tête, nous, durant toute petite semaine, jeudi à nous allons le considérer ensemble, roi éternel au pouvoir inégalé. Nous allons lire ensemble psaume 2, psaume 110, verset 1 à 3, psaume 89, verset 4, 13 à 17, psaume 110, verset 1, 2, 5, 6. Nous allons regarder qui ça, texte à apprendre nous sur Christ en tant que roi. Nous allons aller pour le premier texte qui c'est psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons le lien, délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux et rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parla dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez de votre voix, car sa colère est prompte à s'enflammer, et vous tous ceux qui se confient en lui. Psaume 110, verset 1 à 3. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes enfants, au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Nous allons pour psaume 89, verset 4, verset 13 à 17. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Et le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face. Ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Psaume 110, versets 1, 2, 5 et 6 de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra tes sillons, le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis.
Le Seigneur, à ta droite, brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Eh bien, nous, et tout texte a parlé de royauté Christ. Eh bien, nous, présentation bon Dieu en tant que Père du Messie renvoie aux références, renvoie au couronnement du roi lorsque celui-ci avait été adopté dans l'alliance de Dieu. Psaume 2, verset 7 prévoit la résurrection et l'élévation du Christ comme étant l'aube de la nouvelle alliance éternelle et du sacerdoce royal de Christ. Mais si on l'ichita à droite, bon Dieu, les jouent en honneur et en autorité qui sont précédents. Cependant, l'interaction entre l'Éternel et le roi, c'est-à-dire le Messie, lui suggérait même une intention identifiée Messie David dit ça avec Seigneur même. Si c'est là qui à droite et Seigneur, et alors c'est Seigneur même, ok? Si là qui chita à droite Seigneur, c'est Seigneur même, puisque c'est lui-même, eh bien, que nous voyons dans Psaume 110, verset 1 à 5, qui chita bon côté, mais qui chita à droite papa. Ça veut dire, si là il dit qui chita à droite papa, c'est lui-même qui Seigneur, c'est-à-dire c'est lui-même qui Messia. À la fin, Christ pourra gagner une victoire, pourra remporter la victoire absolue sur l'ennemi. Lorsque texte a dit comme ça, il fait ennemi venir au marchepied, il dit faire des ennemis ton marchepied, c'est une image qui reflétait coutume ancien roi proche orienté te gagner. Eh ben, yo kon mette pied yo sous cou ennemi yo. Et lorsque vous remportez la victoire sur vous, pour montrer domination totale vous gagnez sur l'ennemi. Cependant, veille de Christ là, n'est pas un instrument de terreur. Veille là, était à l'origine, la veille était à l'origine tenue par les chefs des tribus comme symbole de la tribu. Veille Christ là vient de Sion parce qu'il représente, parce que Sion représentait le peuple bon Dieu. Vège-là, la Vège de Christ vient de Sion parce qu'il représente le peuple de Sion. Vège-là, c'est symbole du jugement divin. Divin qui mettait fin avec domination mal-là et qui va illustrer règne Christ-là qui va un règne qui se partage. Même moi, méchant, il y a une possibilité, je dis, pour capable repentir et pour capable soumettre avec Messie. Et bien, dans la scène que nous jouons dans Daniel chapitre 7, nous avons une représentation graphique de victoire finale que Christ lui-même va remporter, qui montre qu'après le jugement en faveur des saints du Très-Haut, le royaume va l'établir et réaliser un règne éternel. Mais grâce avec la croix, promesse royaume est assurée. Il y a une bénédiction qui promet avec tout ce qui confie au roi et peuple libre à réjouir du règne souverain et juste du Messie. Ça veut dire, ouais. Royaume Christ là, il est pour le venir établi. Lorsqu'il a venu établi, c'est un royaume qui n'a pas besoin de passer en bas de la domination royaume. C'est un royaume qui a existé éternellement. C'est-à-dire, moi et moi, c'est avec vous, nous devons faire en sorte que, pour que nous soyons capables de trouver nous, nos royaumes, ça y a une façon pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle et jouer un bonheur qui sans fin. Dans la réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, qui ça dit, il est bon pour nous capables de connaître que, oui, à la fin, bien, il est pour le triompher sous mal là. Et que la justice va le bail, et que douleur, souffrance, tout bagage ça y va le disparaître, c'est-à-dire le bien va le remporter la victoire sur toute force mal. Comment vérité ça t'a dû et t'a dû réconforter nous aujourd'hui, alors que au point de vue humain, les nous garder Jean bagage pour aller nous c'est mal là qui t'a semblé à prospérer. Eh bien, tout ça bon Dieu dit c'est oui et amen. Tout ça bon Dieu dit il a pas compliqué quand même. Ça veut dire, moi, ensemble avec vous, nous devons faire en sorte que nous sommes capables de croire dans la parole de bon Dieu. Mais si bon Dieu fait nos promesses, que tout le bagage est pour venir changer, tout le bagage est pour venir dans l'ordre, bien que pour triompher sur le mal là, et bien, moi, ensemble avec vous, nous avons besoin de faire bon Dieu sa confiance. Et bien, je dis à notre prière ensemble, au roi éternel, au pouvoir inégalé. C'est pour nous exalter, béni, le roi de maintenant pour toute l'éternité, avant nous qu'il y ait ciel. Merci pour révélation de parole, mon Père. Aidez-nous pour que nous soyons capables. Oui, dans la royauté Christ là, et là va venir bon Père. Lorsque Christ va retourner dans le royaume, dans la gloire, il va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous babons juste, dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen. Zébine, déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.